Coucou les Ikis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto donc pour des crocheteuses un petit peu plus confirmées, celles qui veulent créer leur propre patron. Bien sûr, vous pouvez les créer à la main. Sinon, donc je vais vous parler de l'application que j'utilise. Celle-ci, il s'agit donc de Crochet Charts. Alors, l'application Crochet Charts, donc comme vous voyez, je suis sur une tablette, un iPad. Cette application donc, est téléchargeable sur iPad, iPhone, elle n'est pas sur ordinateur Mac. Par contre, point particulier, j'ai pas l'impression qu'elle soit sous Android. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas pro Apple. Il me semble qu'elle est disponible uniquement donc, sous iOS à vérifier, mais j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. À savoir que l'application se distingue en deux versions. Il y a une version gratuite où vous pouvez faire jusqu'à, il me semble, deux projets. Du moment que vous avez fait deux projets, même si vous les supprimez pour en faire d'autres, j'ai fait le test, ça ne marche pas. Donc j'ai pris la version payante où je peux faire donc tout, du moins le nombre de projets que je veux. Donc voici comment ça se présente. Comme vous le voyez, par contre, l'application est uniquement en anglais. Mais après, vous verrez, il n'y a pas de difficulté et je vous décortique tout ça. Donc là, c'est le bouchon en fait de mon pencil. Alors, comme vous le voyez, c'est en anglais, mais vous verrez, il n'y a pas de difficulté. Donc pour créer notre projet, donc Create Document, et là, comme vous pouvez le voir, il y aura donc différentes bases. Donc soit on part sur un carré, sur un cercle, donc circle, donc carré, en ovale, en spirale ou manuel. À partir de là, par exemple, si je veux créer un truc donc à partir d'une base cercle, on peut choisir le nombre de rangées. Donc là, c'est les lignes qui vont apparaître pour vous aider donc à faire vos différentes rangées. Et le nombre de divisions, ça aussi en fait, les lignes que l'on rajoute, après vous pouvez les rajouter manuellement, mais là c'est pour avoir une base, ce qu'on appelle des guides. Et donc à partir de ces guides, je vais pouvoir placer mes mailles. Aussi ici, il y a le petit curseur pour en fait modifier la forme du cercle et où finalement on arrive un petit peu plus sur un ovale. D'accord? Donc là, j'ai mis de manière aléatoire 5 rangs avec 8 divisions. Je mets le nom de mon projet. Oh, j'ai pas assez de place. Mince. Bon, bah, circle. Ok. Create. Et voici donc le résultat. Voilà comment ça se présente. Donc avant de passer à la création du patron, je vais vous présenter les différents onglets. Donc ici, comme d'habitude, le rouage sont les paramètres. PDF setting, c'est après en fait lorsqu'on voudra imprimer ce qu'on a fait. D'accord? Si on veut rajouter des notes, pareil, ce sera dans la phase donc d'impression, du moins d'impression, dans la phase de document en fait. Vous pourrez ajouter des notes et vous verrez à la fin en fait tout votre document. Rajouter le matériel, etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour la mise en page du patron à la fin et mettre des photos. OK. Ici, donc, on a cet onglet, les trois petits points. Alors, les trois petits points, ça aussi, ce sont des options. Ça ne concerne pas encore la création du patron. Les trois petits points, créer un PDF, enregistrer comme image. Ici, en fait, il y a une petite partie où on vous donne des conseils. Donc, de toute façon, j'y viens. Là, je vais vous parler de ces onglets après. Donc, il y a pas mal de tips, d'accord? Autre chose, non, ben c'est bon. Après, donc, cette partie, par contre, on l'utilisera pour la suite. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce qu'en fait, du moment que l'on va placer des mailles sur notre diagramme, elles apparaîtront ici. Donc, bien sûr, ici, pour revenir en arrière, pour zoomer ou dézoomer, mais sachant qu'avec une tablette, après, on peut zoomer, dézoomer à la main. Et maintenant, on va passer donc vraiment au vif du sujet, les onglets qui nous intéressent.
Alors, les onglets qui nous intéressent, premièrement, ici, bon, normalement, c'est pas un petit 2, c'est parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai utilisé ce symbole. En fait, ici, c'est la banque de mailles que vous allez utiliser. Donc, on clique sur cet onglet et là, en fait, on découvre les symboles. Donc, admettons que je commence par une maille en l'air. Je choisis la couleur, donc j'avais pris du bleu, mais vous pouvez faire cette phase après en fait. Ce qui est bien, c'est de faire tout le patron et après on se charge de la mise en page. Mais bon, là j'étais déjà sur du bleu. D'accord. On verra après, comme je vous ai dit, pour la création donc du patron. Pour l'instant, je vous présente chaque onglet. Alors maintenant, ce symbole en fait, il vous permet d'aller plus vite. Il vous permet de faire un grand nombre de mailles. Donc, soit en forme de cercle, de ligne ou de carré. Donc là, vu que précédemment, on a choisi de faire des mailles en l'air de couleur bleue, lorsque je vais cliquer là-dessus et après cliquer donc ici, j'aurai des mailles en l'air de couleur bleue. Comment choisir le nombre de mailles? Tout simplement, ici, il y a le petit onglet. Donc, je clique là-dessus. Je peux également changer le symbole. Finalement, je ne veux pas des mailles en l'air, je veux un autre symbole. Donc, je clique sur changer de symbole. Et le nombre, ben en fait, il y en a beaucoup moins. Voilà, finalement, j'en voulais que 15. Ce qui est intéressant aussi, lock, ça vous permet de verrouiller en fait cette ligne. Et en fait, on ne peut plus la toucher. Parce que des fois, lorsque l'on fait les lignes suivantes, on va toucher la précédente. Mais si je suis sûre de celle-là, pardon, je bloque la ligne. Donc comme je vous ai dit, on peut faire la même chose en ligne. Je veux plein de mailles en l'air, ok. Ah non, finalement, je veux pas des mailles en l'air, je veux des brides. Donc je vais dans la banque de symboles. Donc des brides de telle couleur, ok, rouge. Et donc j'en veux beaucoup moins. J'en veux que... Voilà, que 8. Et donc là, pareil. Donc du coup, vous voyez... J'ai mis ma ligne de bride. Mais c'est pas ce que je veux faire. Donc on va supprimer. Voilà. Et de la même manière, comme je vous ai dit, en forme de carré. Voilà ce qu'on obtient. Et on peut faire les mêmes manips ici. D'accord? Alors, le prochain symbole, c'est cette flèche qui se décline donc en trois flèches. La première, il s'agit juste de sélectionner l'objet pour pouvoir le déplacer. Ici, je ne peux pas le sélectionner parce que je l'ai verrouillé, d'accord? Donc ici, je peux le sélectionner. Vous voyez que lorsque l'on clique sur un objet, il y a tout plein d'autres onglets qui apparaissent, donc on les voit juste après. Je termine avec les flèches. Et dernière flèche, la dernière flèche, en fait, vous voyez une flèche avec deux symboles. Ça permet en fait de sélectionner un groupe d'objets. Donc par exemple ici, j'ai des mailles, je vais cliquer là-dessus, je sélectionne tout ça, en fait, je fais comme ça et je peux tout sélectionner et en fait, je vais changer la couleur de tout, supprimer. Alors l'onglet suivant, donc le rond en pointillé, ça correspond à ce qu'on a utilisé tout à l'heure lors de la création de notre patron, ce sont en fait les lignes guides. Donc soit on peut faire un patron, au début on le prend vierge et après on rajoute les lignes. Ou là tout d'un coup je me dis comme tout à l'heure j'avais choisi que 8 lignes. Finalement, ah mince, bah non c'est bon. Finalement je veux utiliser donc une autre ligne. Donc vous voyez je viens de faire une autre ligne donc en marron. Et en fait c'est pour m'aider à placer mes brides par exemple. Donc en fait ce sont des lignes guides, d'accord? Donc soit la ligne guide en cercle, en ligne comme vous voulez le voir, en carré, en ovale et en spirale, c'est ce qu'on a vu donc au tout début. Donc là je supprime ça et bien sûr vous voyez j'avais changé la couleur. À savoir que les lignes que l'on a faites au début lors de la création donc du diagramme, en fait elles sont verrouillées, je peux pas les sélectionner. On peut faire la même chose ici. Donc, je veux faire une ligne. Je vais la mettre en noir. Et là, vous voyez, je peux la bouger.
Alors, point particulier concernant les lignes guides, celles que l'on a créées au tout début lors de la création du patron. Comme vous voyez, je ne peux pas cliquer dessus parce qu'elles sont bloquées. En fait, c'est notre page de base. Là, si je mets une autre ligne pour m'aider, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc voilà, elle est comme ça, je l'agrandis. Ok, je la mets comme ça pour m'aider. Si par exemple, au-dessus, je mets des brides, ok. Et que finalement, je veux sélectionner ma bride. Et ah, bam, mince, sans faire exprès, j'ai cliqué là-dessus. Donc, que faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que pour le cercle. Je peux appuyer là-dessus et bloquer. Et donc, du coup, maintenant, ma ligne est bloquée. Je ne peux plus l'utiliser. Alors, maintenant, le dernier onglet. Bon, tout à l'heure, ici, j'ai parlé d'un cercle en pointillé. Mais en fait, ce qui reste, c'est le dernier symbole que l'on utilisait. Donc, tout à l'heure, c'était un cercle en pointillé. Pareil pour celui-ci. Donc en fait ici, ça sera dans l'édition après de votre patron. Je peux mettre donc une image. Là, donc si j'ouvre, on aura accès à mes images et je peux mettre une image à côté. Je peux mettre une zone de texte, donc mettre des informations, mettre une petite information, voilà, un point particulier. Je peux mettre pareil un titre, une zone de texte. Des lignes cette fois-ci qui vont apparaître donc sur le patron. La même chose, un carré, donc je peux modifier la taille, et après donc un cercle, d'où le cercle de tout à l'heure. Donc voilà pour les options principales. Donc on va supprimer tout ça. Et maintenant je vous parle des options donc secondaires lorsque l'on clique sur un objet. Il me manque juste, pardon, le dernier symbole. Ici en fait ça fait juste la liste de tout ce que j'ai utilisé, de tout ce que j'ai fait, d'accord? Et ça apparaîtra, on pourra le faire apparaître après sur le patron. Alors, revenons-en à notre cercle. Là, si je veux le sélectionner, comme je vous l'avais indiqué précédemment, en fait, on l'a bloqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur l'onglet précédent dont je viens de vous parler. Et là, vous voyez, soit il y a écrit visible, donc il y a un œil, c'est visible, ou soit c'est bloqué. Donc je clique là-dessus et finalement, donc mon cercle de mailles en l'air donc est débloqué. Il est débloqué, mais en fait, il fonctionne en une seule entité, vu qu'en fait, on l'a créé à partir de cet onglet-là. Du coup, si l'on veut modifier par exemple une seule des mailles, ce qu'on peut faire, donc maintenant on en arrive donc, comme je vous ai dit, à cette deuxième ligne d'onglet. Et ici, en fait, ce logo c'est groupé ou dégroupé. Et donc ici, de base, regardez, ici le logo n'apparaît pas. Si je sélectionne plusieurs objets, je pourrais les regrouper. Donc maintenant ils sont groupés. Donc je reviens sur mon cercle. Toutes les mailles en fait sont groupées entre elles. Et maintenant je vais les dégrouper. Si maintenant je viens recliquer là-dessus, vous voyez, je peux sélectionner cette maille uniquement, la supprimer et je ne sais pas, mettre finalement ça ici. Donc là, c'est incohérent ce que je suis en train de faire au niveau du diagramme, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ça, c'est assez pratique. Donc moi, j'ai envie de le laisser en groupé. Et donc là, j'ai ma première ligne. Alors, imaginons que je veuille faire ma deuxième rangée. Donc, soit par exemple, je sélectionne cette rangée et je peux ici, donc on a cet onglet qui est dupliqué. Donc, je duplique et après, donc je sélectionne le bon onglet et ici, par exemple, je fais une autre rangée de mailles en l'air. Sinon, on revient en fait ici et on fait notre cercle de mailles en l'air et je choisis, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, juste pour en revenir sur tous ces autres onglets, ah oui, je les avais regroupés. Donc oui, là on a vu c'est dupliqué, ici groupé ou dégroupé. Donc ici, il ne s'agit pas de revenir en avant ou en arrière. J'aime bien ce symbole. Ça en fait, ça permet de tourner notre maille, donc notre symbole. Ce que j'aime bien, c'est assez précis. Alors que si j'utilise ça à main levée, des fois c'est un peu chiant. Et là, si je veux vraiment précisément, je fais avec ça. D'accord? Pareil pour la taille. Donc pour la taille, je vous avais dit, lorsque l'on sélectionne l'objet, ici, on peut faire, mince,
On peut sélectionner ici et jouer sur la taille. Vous avez pareil ici, vous pouvez jouer sur la taille grâce donc à cet onglet. D'accord? Alors ensuite, comme symbole qui apparaît lorsque l'on clique là-dessus, vous voyez qu'ici c'est grisé et vous vous en doutez ici, c'est l'épaisseur de trait, mais ce n'est pas l'épaisseur de trait pour nos mailles, ça va être l'épaisseur de trait pour, par exemple ici, je fais un cercle, là vous voyez, il s'est dégrisé, il est noirci et je peux choisir donc l'épaisseur du trait. D'accord? Mince. Alors du coup, maintenant, on va passer au vif du sujet. Ce que je peux vous conseiller, donc pour moi, c'est un retour d'expérience, c'est ce que j'ai pu faire. C'est vraiment, il ne faut pas créer maille par maille, maille par maille. Il faut vraiment utiliser les outils que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'il faut vachement faire du copier-coller. Ça va être plus clair, plus lisible, plus rapide. Donc, bon, là, je vais faire ma psycho, c'est-à-dire que là, ça, c'est pas bon. Par exemple, imaginons ici, voilà, on a fait une maille, ok. Bon, ça va pas être précis. Maintenant, je vais faire donc une rangée. En fait, je veux faire un motif. Imaginons que je veux faire un motif, à savoir que je ne vous ai pas montré tous les motifs. Mais en fait, il y a pas mal de choses. C'est assez complet. J'ai oublié de vous montrer ça. Et aussi, je vous montrerai un autre point, c'est que vous pouvez créer vos motifs et les enregistrer. D'accord? Mais imaginons que je veuille créer moi-même mon motif. Donc, imaginons que je mette ici une bride. Donc, je me sers des lignes, des guides. Après, mince, je suis en train de dupliquer. À chaque fois, je me trompe de bouton. Donc, après, je veux mettre bah, justement une maille en l'air. Une autre maille en l'air. Donc, bride, deux mailles en l'air et une autre bride. Donc, les mailles en l'air, le truc, c'est que... faudrait en fait changer leur orientation pour que ce soit plus joli à la fin. Donc dans ce sens, par exemple, encore peut-être, voilà, donc ce motif-là, ok. Et là, je vais mettre donc une autre bride. Comme je vous ai dit, j'aime bien utiliser ça. Voilà, on va peut-être... mince, à chaque fois, je sélectionne pas. Faire comme ceci, ok. Le truc, c'est que si je veux faire ça tout autour, ça va être long, ça va être fastidieux. Donc, que faire? Tout simplement, prendre les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut sélectionner un groupe d'objets, ok, les regrouper. Donc maintenant, ça fonctionne comme une entité entière. Et faire un copier-coller. Donc maintenant, je vais mettre ici et je vais retourner le truc. Bon, là, c'est pas totalement aligné, mais vous avez compris l'idée et je fais ça ainsi de suite. Même si je veux aller encore plus vite, je sélectionne les deux. Non, pas la maille ici. Les deux. Et je les regroupe. Donc maintenant, ce sont ces deux-là qui fonctionnent en une seule entité. Ok. Je vais dupliquer. Je vais retourner tout ça. Comme ceci. Et je vais le placer maintenant ici. Je peux faire la même chose si on continue le délire. Ou donc, je vais sélectionner maintenant... ça plus ça, ok, les regrouper, copier-coller, et maintenant retourner, et on a l'autre moitié. Donc ça, vous avez vu, ça m'a pris quelques secondes pour faire donc tout le tour du cercle. Bon, vous voyez là, c'est pas très précis, du moins j'ai pas fait ça carré-carré, mais en fait, en quelques secondes, on peut faire donc tout le tour d'un cercle. Comme je vous ai dit, point particulier, s'il y a un symbole, du moins un motif, vous savez que vous allez l'utiliser souvent, vous pouvez donc le rajouter dans cette banque-là. Donc là, il y a les motifs de base, mais vous, je ne sais pas si vous avez un motif, bah, par exemple, celui qu'on vient de créer ensemble, il n'existe pas. Donc ce motif-là,
Donc je vais juste sélectionner et je vais dégrouper. Ok. Et maintenant, ah ouais, il y a tout qui est dégroupé. Donc, si je veux que ça, ce soit un motif à part entière. Donc, bride, deux mailles en l'air, bride. Donc, je les regroupe. D'accord? Je vais maintenant cliquer sur ces trois petits points. Et vous voyez tout à l'heure aussi, je ne vous avais pas parlé de Create Symbol, il était grisé. Mais maintenant, je vais cliquer sur Create Symbol. Je lui donne un nom. Et en fait, après, il se retrouvera donc dans ma banque de symboles. Donc là, je vais annuler. J'en suis revenue à l'étape précédente. C'est pas grave si je crée le symbole. Au pire, je le supprimerai. Donc je l'appelle OK. OK. Création du symbole. Et vous voyez, en fait, il a un peu changé pas de forme, mais il n'a pas la même résolution. Il a un petit peu changé de couleur. Et en fait, ça maintenant fonctionne comme un symbole à part entière. D'accord? On pourra également le retrouver dans notre banque de symboles, donc ici. Et là, maintenant, il apparaît. Et il apparaît ici. Et je peux donc venir le sélectionner et le mettre. D'accord? Ici, donc, il y a tous les symboles de la banque de symboles. Vous voyez même tout à l'heure, donc j'ai pas fait le tour, mais il y a les symboles donc du crochet tunisien. Ça, je l'avais utilisé les numéros, donc on peut les utiliser pour renseigner une ligne, etc. Donc, il faudra juste que je voie maintenant pour supprimer ce symbole. On verra ça plus tard. Voilà. Du coup, on va quand même le faire. Delete, OK, delete. Et pareil. Par contre, oui, après, il y avait écrit. Par contre, voilà, ça, c'est un symbole que j'ai créé la dernière fois. Est-ce que je l'ai sélectionné? Voilà, c'est... Il y en a combien? J'ai fait une espèce de chaînette, mais un peu de forme circulaire, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, je sais que je peux utiliser vachement. C'était dans le patron pour la jupe, pour le pareo Pocahontas. Donc, il y a vachement de trucs comme ça.